Mesdames, Messieurs, malgré la fatigue naturelle, après presque à la fin d'une troisième journée de discussion extrêmement remplie, il faut aussi des instruments, un casque là, pour la traduction. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît? Bon. Des écouteurs. Ici, s'il vous plaît, les orateurs. Well, so, we're going actually to use the two languages. Well, French, Lionel Zinzou will speak in French. Hélène Mariam Desalignes. I'm not sure I pronounce it. Alors, je ne suis pas certain de bien prononcer votre nom. Désolé si j'écorche encore une fois votre nom, Hélène Mariam. Voilà, et tout, d'accord avec tout ça. Donc, on va effectivement parler dans les deux langues, puisque finalement, nous sommes ici au Maroc et on devrait comment préserver le français, continuer à le parler. Alors, l'idée de ce dernier déjeuner débat est d'avoir un petit échange sur l'Afrique. Enfin, l'Afrique, évidemment, c'est extrêmement général. Et nous avons sur le podium deux anciens premiers ministres, l'un qui est donc Monsieur Hélène Mariam Desalignes. Je ne sais pas pourquoi j'ai des difficultés à prononcer, mais ça finira par être bien. Et il a été premier ministre de l'Éthiopie pendant 6 ans, et il est connu de tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique comme ayant été un premier ministre avec une réussite absolument remarquable. Donc une personnalité extrêmement respectée, que nous sommes très heureux d'avoir pu attirer à cette 11e édition de la WPC. Et je précise aussi que dans le système politique éthiopien, le Premier ministre est comme le chancelier fédéral en Allemagne, c'est-à-dire qu'il a la quasi-totalité des pouvoirs exécutifs. Donc c'est un détail important. Donc une expérience tout à fait remarquable. Le deuxième ancien Premier ministre est Lionel Zinzou, qui nous fait l'honneur et l'amitié de venir très fréquemment à la WPC depuis le début, qui a donc été Premier ministre du Bénin, mais pendant 11 mois, donc ce n'est pas tout à fait pareil, et il a été candidat... And he was running for the presidency in Benin, but he was not elected... And this happens to many of us. Sometimes we don't get through. And he is well known in France and abroad as a major figure in the business world with great talents and quite a bit of experience. And so we are glad to have both former prime ministers, and we're gonna give each one of them a couple of minutes to tell us from their point of view, from their experience, what was most positive and what was most negative. And the idea is to spend again just a few minutes after that to see what we can learn from those shared experiences, what kind of lessons we can take away with us with regard to Africa. All right, so Mr. Prime Minister Hélène Mariam Desalignes, right? I'm doing it well. I have the great pleasure to give you the floor, sir, in the English language.